Bonjour fidèles internautes, bonjour Balanginoso, c'est votre humble serviteur Guilain Tshibobo, le vrai descendant de Tshisekedi, défenseur du parti présidentiel. Molobeli, il y a un parlementaire de Bounioso, il y a IDPS. Le loyo, Tokolobela, maï politique à la République démocratique du Congo. Tokolobela, premier point d'abisso, il y a voyage. Il y a Tata Mukonzekolo, précisément dans la province, il y a Congo central. Précisément, Nakitona, et puis le chef de l'État, il y a été matin, il y a un pour il y a l'inspection, il y a Misala, il y a eau profonde, il y a banana. Donc, le premier, deuxième sous-point, il y a première partie d'Abisso, ils allaient voyager à Tata Mukonzekolo, dans la base militaire, il y a Kitona. Oh, Tata Mukonzekolo, à Kendaki, pour visiter. Bah, militaire en Abisso nouvellement recrit à Talisi Bango était devise ya Bisso Ezali ne jamais trahir le Congo ningolo ba été toko kufa pona ekolo ba koki jamais ko trahir ekolo voilà Ezali devise militaire le chef de l'État devant le militaire nouvellement bah, devant les nouveaux recrits militaires oyo bandimi ko bundela République démocratique du Congo. Deuxième point, Tokolobela visite Oyo, le président français Azali Komeka, Anyatama Tambe na la République démocratique du Congo. On les a dit deuxième point. Troisième point, Tokolobela, 500 millions de dollars provenant des États-Unis d'Amérique pour une aide humanitaire à l'espace et à l'Est et à la République démocratique du Congo. Quatrième point, Tokolobela, discours et Tata Mukonzekolo Félix Antoine Tshisekedi, c'est samedi 10 décembre 2022. Le chef de l'État a causé là devant le Congrès, devant le Sénat et devant le Parlement. C'est qui va vous sangana pour le chef de l'État à ça la discours. Parce que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il est redevable une seule fois dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Pour nous couper ce discours, il y a l'état de la nation. Quatrième point, Tokolobela, Wilingoma, Oazali porte par le M23, Abetimbela, Alobiboye, Nalopoto. Nous avons déjà quitté les sols de la RDC, mais reste à savoir où nous irions et pour y faire quoi. Tabandeli. Nous avons déjà quitté les sols de la République démocratique du Congo, mais reste à savoir, nous irions où et pour y faire quoi. Permettez-moi de répondre à mon bouquet, Willy Ngoma. Vous êtes dans le monde. Pour ce côté, vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le rebelle, dans le terroriste. C'est que le compromis, c'est que dans Nairobi, nous avons été dans la République démocratique du Congo. Ayan Zela la porte et non la fenêtre. Ma groupe rebelle Nyoso, au Bazoumi la République démocratique du Congo, et Nicolo Baete, et Nicolo Baete, Bachébino, Bakotisino Armete, Bokene Service National, Bamoussé sous Bakoé, que le métier pourrait permettre à Bino de vivre dans la Katia Bat. Pour bon Messana, pour vivre dans la Zamba, dans la clandestin. Mais actuellement, le chef de l'État a accepté Nanzela EAC. Pour que négociation salima botika minduki mais boye ba été boko za retégré na armée congolaise atam kolomoko te le cinquième point Tokolobela l'ancien conseiller ya chef de l'État en matière stratégique Vidé Chimanga au azali na justice au ministère public bazali ko proposer ba condamné 3 ans de prison mais actuellement il n'est pas encore condamné mais toujours il a le juge. Parce que le ministère public va proposer, ils sont là pour chercher les infractions. Mais la personne qui est habilitée, il y a qu'on rendre verdict, il y a dossier, ils allaient juger dans l'obité. Mais le ministère public propose 3 ans de prison fermée à l'ancien conseiller en matière stratégique, il y a Tata Mukonzeko, le Félix Antoine Tshisekedi, na combo ya Vidé Chimanga, na Banzi, où ils allaient bah pour essentiel tout le Belalelo. Toke na lombango na premier point na biso o na otu ko lobaye le chef de l'État azali précisément la province à Congo central
accueilli kuna premièrement pour nous faire l'inspection. Il y a lancé des travaux balancé qui pour nous faire une eau profonde. Il y a banana parce que quand on a vu sur la Congo centrale, si j'ai le bon souvenir, pour la toute première fois en tant que président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait foulé le sol. Il y a Matadi, si j'ai de bons souvenirs, à Zalakawana. Bande Gonabiso, il y a Congo central, précisément la Matadi, Bana Bahouta qui parti, Baloba qui était le chef de l'État, et Sengeli, Misale Banda, eau profonde, il y a Banana, pour permettre, Bande Gonabiso, il y a Congo central, il y a Misala comme il se doit. Le chef de l'État, il y a Yoka qui est là, il n'y a même pas une année, si j'ai de bons souvenirs, travaux, il y a eau profonde, il y a banana pour permettre à Congoman de faire ça. Le chef de l'État, Mukola Lobi, a kenda qui conseille l'inspection, mais nous allons aller au kende molo molo parce qu'il y a ils ont un débit à Moussa les pays après la fin à Moussa, mais pour l'instant Moussa les allait au combat toujours pour que Moussa là il y a eau profonde à banana et si là bon bah était eau profonde à banana et qu'on permettre emploi Bande Konabiso, au Bazouami, la province à Congo central. Non seulement à Boma, non seulement à Matadi, mais la province Mobima Congo central. Et qu'on a engagé, si j'ai de bons souvenirs, plus de 5000 agents au Baroussala, au profond, il y a Banana, toujours dans le cadre, il y a implicite. Parce que les gens disent que le chef de l'État n'a pas un bilan présentant en 2023. Pour la Bande Konabiso à Congo central, au profond de Banana. Et qu'on permette bien nos besoins ça là. Ça fait partie d'un bilan positif au chef de l'État à présenter en 2023. Le chef de l'État a longue l'inspection au profond de la banana à Kenaki Inde Ti na base à Kitona. Oh le chef de l'État a embarqué ba autorité militaire et puis ba autorité militaire ba présenter Tata Mukonze Ekolo jeunesse. Oyo bandimi ko sacrifié. Oyo bandimi ko kufa po na ekolo. Oyo bandimi ko sali la ekolo musala. Oyo balobaka ete. Na lopoto. Tozali wana et ne jamais trahir le Congo. Parce que devise armée zalaka ne jamais trahir le Congo. Yango mon chef de l'État. A beta ki pembela devant les nouveaux recrues. Devise militaire et alliés ete ne jamais trahir le Congo. Dengue ba jeune militaire nouvellement recrut ba lobby était basu mikano pour être ba défendre République démocratique du Congo parce que rôle ya militaire ezali ko défendre intégrité nationale rôle ya militaire ezali ko battre la superficie ya République démocratique du Congo parce que superficie ya République démocratique ezali 2 345 000 km². Bazali wana pona ko protéger mabele ya République démocratique du Congo yango ba rassurer Tata Mukonze Ekolo Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État ba lobby été tokotika lata mukolo moko ko trahi mboka na biso té et puis ba lobby été bazali ou déterminé pour accomplir la première ambition du chef de l'État parce que la première ambition du chef de l'État ezali ko pesa kimia na ba kongolmani. La deuxième mission du chef de l'État, ezali ko sécuriser Mboka. La troisième mission du chef de l'État, ezali ko développer Mboka. Yango, ba militaire nouvellement recrut, ba lobby été, ba ko aider chef de l'État pour que sa première mission na ezali ya Kimia. Et puis, ko aider chef de l'État, sécurité ezonga na est ya République démocratique du Congo. Chef de l'État a rassuré bango été, a cause la toujours tout près na bango, pour na ko motiver bango. Sur le plan logistique et puis sur le plan salarial à coéder pour vivre que base à la moussala n'a pas condition yamalamu. Il faut aussi savoir c'est pour la toute première fois dans la République démocratique du Congo secteur à défense ou ministère à défense mapinga la République démocratique du Congo base au budget plus de 1,6 milliard dit jamais vu. Parce que le chef de l'État n'a pas un bilan à présenter en 2023. Il faut être, c'est pour la toute première fois dans l'histoire, il y a l'armée à la République démocratique du Congo, basé un budget consistant, dit jamais vu. Dans l'époque, il y a un prédécesseur, il y a Tata Mukonze Ekolo. Dit jamais vu, dit jamais vu, dans l'époque à Joseph Kabila. Dit jamais vu, dans l'époque à Joseph Kassavou. Dit jamais vu, dit jamais vu, dans l'époque à Mobutu. Dit jamais vu, dans l'époque à Laurent Désiré Kabila.
Et c'est qui tata mon conseiller le Félix Antoine Tshisekedi comme chef de l'État pour tout le monde armé bazo budget consistant au lelo armée République démocratique du Congo bazana budget 1, et quelques de milliards de jamais vu. C'est pour vous dire que ceux qui croient que le chef de l'État n'a pas un bilan à présenter en 2023 les années de toi baba. Boye ba été la défense budget au comme consistant boye ba été en 2020 on va aussi présenter ça parce que ça fait partie n'a pas bilan au être représenté en 2023. C'est pour vous dire que nous avons un président azali rempli d'amour en compassion en République démocratique du Congo azali ko toucher secteur par secteur. Après avoir ko toucher secteur et enseignement, après avoir ko toucher secteur et santé, aujourd'hui nous avons un budget consistant dans le secteur de la défense. Yango, le chef de l'État il a rassuré aux militaires que d'ici la fin du mandat, un militaire a recommandé un salaire consistant pour permettre de vivre dans la condition de malade. Parce que ceux qui te lobbyent, ils ont un salaire aux militaires qui vivent dans l'époque de Kabila. Dans l'époque, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Mieux vaut Félix Antoine Tshisekedi que Joseph Kabila. Aujourd'hui, une veuve militaire qui n'avait à l'époque il y a Kabila, une veuve militaire qui n'avait pas d'importance à la fin de chaque mois. Abanaki gagnait 30 000 francs à la fin de chaque mois. Mais sous Félix Antoine Tshisekedi, une veuve militaire, une veuve militaire, moi si on a coupé la mobile naïe, on a coupé la mobile ya Souda, on a coupé la mobile naïe. Sous Kabila, une veuve militaire touchait 30 000 francs congolais. Mais sous Félix Antoine Tshisekedi, l'homme qui est rempli de l'amour et de la compassion, il y a mes militaires. Rempli de l'amour, il y a compassion, il y a ma policière, il y a ma policière. Aujourd'hui, une veuve militaire touche 250 000 francs congolais chaque fin du mois. Du jamais vu à l'époque, il y a Joseph Kabila. C'est pour vous dire que dans le secteur de la défense, le chef de l'État est en train de se battre pour vivre un soldat congolais a bien équipé, envié. Soldat américain, envier un soldat européen. C'est ça même le souci majeur à Tata Mokonzé Kolo. Parce que la troisième mission principale à Tata Mokonzé Kolo, c'est le développement. Dans le développement, il y a été macamené sur les alakats. Il y a un monde le fameux comité international ne veulent pas le progrès, le social de notre peuple. Mais avec Dieu, Félix Antoine Tshisekedi fera mieux. J'ai aimé. Le mot français que le chef de l'État avait utilisé devant le jeune, le chef était clair, a dit le miracle sont possibles pour la République démocratique du Congo. Je crois que le miracle sont possibles pour la République démocratique du Congo, en particulier pour le militaire de notre République. Bokende pour défendre la patrie, Bokende pour tinda banguna République démocratique du Congo musika. Pour permettre chef de l'État à quoi que sa première mission aille. Bon trahir mon abusoté à cause de vos intérêts égoïstes. Quand on dénigre des vices militaires le BT, ne jamais trahir le Congo. Ma pinga, y a la République démocratique du Congo. Bon l'un des intérêts égoïstes était. Bon l'un des intérêts égoïstes était. Bateau bateau qui m'boka ou l'un des quatre matins, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Raimo Tshibanda. Même la descendance d'Ayo, tu paieras un jour le contrat que tu avais signé pour que ce pays soit balkanisé, pour que ton service à renseignement, il y a Rwanda, il pénétrer dans le sol congolais, il y a des informations dans Rwanda. L'un des quatre matins, Raimo Tshibanda, tu paieras. Le contrat signé à Bondoki, il y a balkanisation, il y a Mboko Nabiso. Tu paieras ça un jour. Il y a un Aliko Senga, il y a un Mboko Nabiso. Pour aider le chef de l'État accompli la première mission où ils allaient être au pays à qui ils sont au Congo. Quand ils ont été au SR, souci de la banque, ils ont été au pays à qui ils sont 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 au avantage non sur mon abisso. Comment expliquer va demeurer toujours dans l'insécurité. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a talissé ma piquant il y a la République de un nouveau recrut. Il y a eu bandimi qui travaille pour Namboka, alors pour travailler pour le bien-être de notre peuple. Deuxième point, Togolo Bela visite il y a Emmanuel Macron, Ozali le président français, au Yakonata Matambe dans quelques jours à la République démocratique du Congo.
Monsieur Emmanuel Macron, en tout cas, Koya Nayote, Koya Nayote, parce qu'il y a besoin souverain primaire, conformément à l'article 5, au balobi était le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Si réellement Emmanuel Macron, vous allez dire que le peuple congolais, baboyi, on y a ta matambe na yo, na ma belle y a ancêtre na biso. Parce que bonyati na yo, ma belle la la République démocratique du Congo, c'est ça c'est craché na mémoire. Y a ba vain militaire. Oh le loba na batika bi orphelin. Boye y a Macron na sol congolais, c'est craché na mémoire y a Kondo et Tshisekedi. Boye na yo na République démocratique du Congo. C'est craché dans la mémoire, il y a ma veuve militaire, il y a bano ba tikel ba orphelin, ba orpheline dans la République démocratique du Congo. Boye inayo, o kozala la bienvenue. O kozala la bienvenue à la République démocratique du Congo. Boye inayo, faut s'attendre que tu seras humilié dans souverain primaire. Boye inayo, yeba été, tu seras humilié. On n'est pas d'accord na boye inayo. Parce qu'il n'y a même pas un mois, si j'ai de bons souvenirs, tu as débloqué 200 millions d'euros pour soutenir la République à Rwanda, bas au Mbongo, on a pas ça, terroriste M23. On ne peut jamais accepter Makila, oh y'a de Gonabus ou Koufi, bah monsieur soit mon anaté, pour que la paix révèle les six pays, bah sacrifier ma vie à Bango, pour qu'un certain Macron qui est tenté de soutenir les terroristes M23, à Netamatem, dans la République démocratique du Congo. Bisso peuple souverain primaire, Tolobi, non, non, non. Naboye, il y a Emmanuel Macron, le président sanguinaire, la personne qui est en train d'accompagner Paul Kagame sanguinaire. Boye inayo, tous en ont posaté. Vanda na mboka na yo, vanda na maman na yo, soit disant moi si na yo, soit disant mouto atangisa au classe, vanda na ye, tous en a besoin na yote. Sokoye na makasi, le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Toro l'accès aux démonstrations de force, tu seras humilié. S'il s'agit même de sacrifier ma vie, je vais sacrifier ma vie pour que yo n'ait pas ma tambe au tête. Boyo, boyo inayo, rosala la bienvenue, tu seras humilié parce que le peuple congolais va sacrifier ma vie na bango. Oh yo yo, rosali ko bunda. Si ça dépendait de l'Union européenne, si ça dépendait de la France, si ça dépendait de la Belgique, mais notre mentor, le véritable père géniteur de la démocratie en République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi, mais la joie pouvoir en 2011. Comme l'Union européenne, Bazaran a candidat à Bongo. Lui, Michel, Kondo et Tchent Tshisekedi, à Ebisarayo, au Bandota, la Congo, dans la fenêtre, dans la lunette. Aujourd'hui, Maloba, Kondo et Tchent Tshisekedi, Kokisami. Aujourd'hui, lui, Michel, a habité sur Rosalana, pour ça, on est à Matambe dans la République démocratique du Congo. C'est pour vous dire que, pour clore, visite Emmanuel Macron, dans le sol congolais, vous allez la bienvenue, Vanana Maman, à 60 quelques années. République démocratique du Congo, Tozali n'a pas ça. Troisième point, Tokolobela a fait 500 millions de dollars provenant des États-Unis d'Amérique pour aider la République démocratique du Congo à l'espace Est et la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique, si réellement vous allez partenaire privilégié, soutenir la République démocratique du Congo, avec 500 millions de dollars. Tout le monde a soutien, il y a hypocrisie. Soutien à l'amour, il y a beaucoup de soutenir Bissot. Tindela Bissot, les soldats américains, pas travailler, pas tenir en affaire d'essai, pour qu'on ait des rebelles, des terroristes M23 dans le sol congolais. C'est ça même le vrai soutien. Si réellement vous êtes partenaire privilégié à la République démocratique du Congo, notre soutien, nous vous supplions de bien vouloir. Au Tine de l'Abisso, le commandant américain, il y a la République démocratique du Congo, il y a un travail en partenariat, il y a un ensemble de l'affaire de la République démocratique du Congo, il y a un EAC, il y a une armée régionale, pour tout le monde, il y a un rebelle, il y a Joseph Kabila Tine de l'Abisso dans la République démocratique du Congo. Mais en fait, il y a un soutenir l'Abisso à 500 millions de dollars. Pendant la journée, tu soutiens la République démocratique du Congo. Mais pendant la nuit, aujourd'hui, par quel mécanisme on déstabilise la République démocratique du Congo. Nous sommes en train
parce que boningi te biso to se développer boningi te biso to zala na kimia boningi te biso to zala na sécurité parce que aujourd'hui s'il y a la paix en République démocratique du Congo pour na bino abu pia si aujourd'hui il y a la sécurité en République démocratique du Congo musala na bino za souté si aujourd'hui il y a le développement en République démocratique du Congo musala na bino zalité c'est la raison pour laquelle bozali ko luka des ordres zala la seule congolais pour permettre bino boko takaboyi ba Baba richesse à la République démocratique du Congo. Comment expliquer un pays, un petit pays comme le Rwanda, Ouazali, na coltanté azini uranium té, mais aujourd'hui nous vous parlons Rwanda comme parmi ba producteurs en makasi ya coltan uranium azongo wapi na sol congolais. Bato bazali ko soutenir c'est les États-Unis d'Amérique na le fameux Union européenne. Aujourd'hui, ce qui est vrai, il y a une portion, il y a Union européenne. Bomoni ba député belé par comme ça la déclaration. Ôtez-vous l'Union européenne, vous soutenez la République Rwanda pour agresser la République démocratique du Congo. Et Zaline Zambede, Azali Kokote là, ba député de l'Union européenne. Parce que trop c'est trop. Makile Gangi, le président polonais, le Bakiango, vous le fameux communauté internationale, vous êtes inclus dans l'agression. Oyo, République démocratique du Congo, Zali Ko Sibir, na voisin na Rwanda. Aujourd'hui, Omouni, ba député Bélé, et il y a un peuple qui comprend que les financiers, les terroristes M23, la République à Rwanda, soutenus par la communauté internationale. Il y a un biso souverain premier à Tolibiboui. La manière, la meilleure procédure, il y a pour soutenir biso République démocratique du Congo, et Zali Botine de la biso va commander américain, il y a un sol congolais, va travailler dans la FARDC République démocratique du Congo pour vivre, il y a un béguin de la terroriste M23. Pour accomplir la première mission du chef de l'État, où ils allaient la paix, rien que la paix à l'est du pays. Quatrième point, Otorolobila, ils allaient discours, il y a Tata Mukonzeko, le Félix Antoine Tshisekedi, devant le Congrès. Le chef de l'État a été redevable une seule fois. Le Congrès, où il y a des députés, des sénateurs, des sanganaka. Le chef de l'État a pécé discours dans l'État de la nation. Mais les gens qui disent que le chef de l'État, Azali président, ou Azali Nabila, présenté, Boulanda Tata Mukonzekolo, bien. Alors, c'est le discours, ou est-ce qu'on permettre la réalisation de Tata Mukonzekolo, Félix Antoine Tshisekedi, depuis qu'il est président de la République le 24 janvier 2019. Le chef de l'État a cause la kisabino le lengeni na soki mboka le lengeni na komi na mboka le lengeni na soki na mboka. Le chef de l'État va se baser plus sur le plan sécuritaire, le chef de l'État va se baser plus sur le plan économique, le chef de l'État va se baser plus sur le plan infrastructure a hotel isabino bilan na ye le lengeni na mboka zali ko tambula. Yango na liko singa na bakongomani nyonso mukolo ya samedi Bozala devant ba télévision na bino, Bozala devant ba téléphone na bino, pour na Rolanda discours ya kafu kafu, ya Tata Mukonzeko le Félix Antoine Tshisekedi devant la nation. Point mususu to lobela, l'ancien conseiller à chef de l'État en matière stratégique Vidé Chimanga, Ouazali devant la justice, justice amboko na biso, ministère public, quel est le rôle du ministère public? Ezali ko luka ba infraction. Ministère public a zali ko proposer na ba juge parce que juge c'est serviteur de Dieu que Dieu a établi pour juger les semblables, condamner les préjudiciables. Ministère public propose 3 ans de prison ferme à l'ancien conseiller en matière stratégique à Tata Mukonzeko le monsieur Vité Chimanga. Mais toujours là juge a rendre verdict il y a procès à Vité Chimanga. Soit il sera acquitté, soit il sera condamné. Mais à bloc au lieu que les réseaux sociaux étaient Vidé Chimanga Azali condamné jusqu'à preuve du contraire Azali condamné était, mais biso to Azali observer neti batuna so Azali observer parce que l'état de droit prôné par notre mentor Etienne Tshisekedi Azali na classe politique était que tu sois de la majorité que tu sois de l'opposition soko buki mibeko la rigueur frappe tout le monde. Mais koloba est Azali condamné c'est faux et archi faux. Nous attendons le verdict, Moutalobara verdict à ce que les alliés jugent, même dans Rokat El Kambo, soit à PCI condamné, soit à PCI, soit condamné, soit acquitté, soit à PCI liberté,
provisoire, mais pour l'instant, c'est le ministère public qui propose que l'ancien conseiller à chef de l'État en matière stratégique, Vidé Chimanga, soit condamné à 3 ans de prison. Toujours dans ma matière d'actualité politique, Boye Baete, gouvernement congolais, va dépêcher Madame la ministre de la Justice dans la Cour pénale internationale. Boye Baete, Makambwe Bandi. Aucun péché reste impuni. Madame la ministre Rose Mutombo, Azana dans la Cour pénale internationale, pour nous matali toujours diplomatie et la République démocratique du Congo. Mais dans la ligne, il y a responsable de Nyonso et M23. Il responsable de Nyonso et groupe rebelle devant la CPI. Aucun péché reste impuni. Mais na robeta sete na mayematali porte par le M23 na koma wilingo malubi ete, nous avons déjà quitté le sol congolais, mais reste à savoir tozo kende wapi et pour y faire quoi. Mais c'est wilingo ma bouta kina nu wapi bouta kina nu wapi bouta kina nu wapi et puis bozo kende wapi etali bisote etali bisote. Il y a déjà une loi établie au gouvernement, Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Bah, lobby était le gouvernement de la République démocratique du Congo ne peut jamais, jamais, jamais dialoguer avec les terroristes M23. Parce que quand on a lu que c'est toujours la valise d'Abisso, toujours qu'il ne voit pas. Et t'as l'Abisso, t'es un bon, ok, c'est qu'à Boutaki. Mais je tiens à vous informer, Willy Ngoma, ta place. Ils allaient dans la Cour pénale internationale. Ta place, ils allaient dans Makala. Parce que Bato va couffir pendant décennies. Mais ta place, tu finiras dans le pavillon 8 pour rejoindre Kabunda, Kabunda, moi, Kabunda, dans le pavillon 8, dans le centre pénitentiaire à Makala. C'est pour vous dire que, et assez pour parler au Salem Magina Nairobi, ma Kamoune, c'est Cécile. Ma groupe rebelle. Oh, Joseph Kabila Tikela Gibiso, Boye Baete, Batouana Toko, rétégré dans mon armée. Parce que ceux qui ont rétégré dans mon armée, ils ont mis la biseau infiltration. Ceux qui ont rétégré dans mon armée, ils ont mis la biseau brassage et puis ils ont mis la biseau infiltration au sein de l'armée congolaise. Batou et Tosolo dans mon Nairobi, ils allaient permettre que, ils ont le service national, ils ont le métier informatique. La maçonnerie, la ménagerie, pour permettre que les gens ne soient pas battus. Mais quand on a été dans l'armée congolaise, c'est faux et archi faux. Si tu peux perdre les gens qui ont été, tu peux perdre les gens qui ont été en train de se Papa, calendrier c'est bimi. Calendrier c'est bimi. Le 24 et décembre, à Rolomezo, il y a ça. Le 30 décembre, tu reconnais dans ma ponami. Le 24 janvier 2023, le chef de l'État va prêter serment. C'est pour vous dire que bon dimanche, t'es Denika demandé de recevoir ma ponami. Il ne faut pas blaguer avec le calendrier où ils ont déjà fixé. Bon, continuez toujours à rêver. Et puis, bah, Aliko Lobaye était le chef, Joseph Kabila, a rosé la candela bon en 2023. Mais ça, c'est la sorcellerie. La constitution est claire. Kabila n'est pas allé en Azali sénateur en vie, toute sa vie, Azali sénateur en vie. A compostilé, et il y a un. C'est pour vous dire que, a postulé, mais dans la ligne de l'autre, à qui la candidature n'a pas postulé, il a rejeté en haut. C'est pour vous dire que, il y a un peu de pèse dans le 5 ans. Il faut s'enrôler massivement, parce qu'il y a déjà un calendrier. Il faut s'enrôler massivement. Bana Congo Mobimba pour s'enrôler massivement pour permettre Bino de voter candidat préféré na Bino na combo ya Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État pour s'enrôler massivement pour permettre Bisso Tatam Gozekola sa deuxième mandat pour permettre Bisso Tozoa majorité écrasante parce que Tatam Gozekola pour que ça va projet des sociétés nae et Sengeli Azala na premier ministre et obédience nae. Azala na premier ministre, il y a majorité nae. Azala na président sénat, majorité nae. Azala na président assemblée nationale, majorité nae. Pour permettre que vous avez projet de société nae comme il se doit.
Nabanzi, Tokomi Nasuka, peuple congolais, ayez toujours confiance dans Félix Antoine Tshisekedi. C'est notre frère, c'est notre sang. Et le miracle sont possibles pour la République démocratique du Congo. Croyez toujours. Namisala Otata Mukonzi Ekolo Azali Kosala. Il va tomber en boucle en abusant les boulots. Mieux vaut Félix Antoine Tshisekedi, qui est le détourneur de deniers publics. La paix simbote n'a pas de nos coupes à devant l'éternel. La paix simbote n'a pas de combattants et combattants. La paix simbote n'a pas de combattants et combattants. Ceux qui ont besoin de contacter pour avoir la vraie information. Sans oublier la dame qui s'occupe des orphelins, Fanny Kassalo Mangaya, Mbote Bélé. Maman n'a aimé la Belgique, Mbote Bélé. Maman n'a Marie-José Mbombo, la Suède, Mbote Bélé. Dekonanga Yves Boubou, la Londres, Mbote Bélé. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse Fatou Beton, notre consolateur. Bye bye, bye bye. Ceux qui ont besoin de contacter pour avoir la vraie information, Bobenga, plus 243 81 99 18 606. Plus 243 81 99 18 606. Bye bye, bye bye. Royal Hands Foundation. Médicaments directs. Envoyez-nous l'ordonnance de votre proche depuis le Congo RDC. Payez en ligne. Nous irons la chercher à la pharmacie. La livrerons directement à votre famille en moins de 24 heures. Visitez notre site www.royalhandsfoundation.com. Téléphone plus 44 73 05.